www.casarema.fr. Mais si tu continues à croire, c'est que mort ressuscitera. Ressuscitez vos projets et manifestez le meilleur de vous-même. Certaines personnes, vous ne réussissez pas dans vos projets parce que le projet est encore immature spirituellement. Il n'est pas encore solide spirituellement. Il n'est pas encore protégé spirituellement. Et vous vous hâtez de l'annoncer et on le détruit parce qu'il est fragile spirituellement. Bien-aimé, tu vas atteindre ton projet, tu dois être têtu. Sinon, tu seras comme tous les hommes qui échouent en train de raconter que des projets qui n'ont jamais vécu. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Aujourd'hui, je vais aider un homme à réussir. Alléluia. Je vais aider un homme à réussir. Nous sommes dans le culte des projets et ce sera un culte des projets formidable. Amen. Voici le thème de mon message ce matin. Comment vaincre les ennemis d'un projet? Dis à ton voisin, comment vaincre les ennemis de ton projet? Parce que tu as un projet. Amen. Et nous serons plus dans le livre de Néhémie, dans le livre de Néhémie 6, tout le chapitre de Néhémie 6. Nous n'allons pas le lire, je vais commencer à donner les versets pendant que je parlerai. Mais nous sommes dans le livre de Néhémie 6. Néhémie veut dire « l'Éternel a consolé ». Amen. Et cela prouve déjà sa destinée, parce qu'en Israël, on donnait des noms prophétiques aux enfants. Et je dis toujours arrêtez de donner à vos enfants des noms comme ça, petit, 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 et sera petit. Imaginez que ton fils devienne PDG, PDG petit. Il devient président, président petit. Il devient papa, papa petit m'a envoyé. Amen. Hein? Donnez des grands noms à vos enfants. Alléluia. Et si tu as un petit nom, tu peux le changer aujourd'hui. Amen. Hein? Il s'appelait Dieu. L'Éternel a consolé. Quand il était bébé, on l'appelait l'Éternel a consolé et il a amené la consolation en Israël selon son nom. Lorsque le Seigneur m'a appelé, mes parents m'ont appelé Marcelo. C'est le nom du père de mon père. Lui s'appelait Marcel, moi on m'a donné Marcelo. Mais quand Dieu m'a appelé, il a ajouté Jérémie. Jérémie parce qu'il m'a appelé contre les faux prophètes, les faux leaders, contre le faux peuple, pour déraciner, pour planter. C'est ainsi que des fois tu dis, mais quoi pasteur ou abouka kaka, eza faute nangate, eza kombo nanga. Amen. Hein? Et là, il s'appelait l'Éternel à consoler. Et il était l'un des chefs qui sont revenus de la captivité de Babylone avec Zorobabel. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Israël est tombé dans le péché, Israël a été amené en déportation en Babylone. C'était la manière dont Dieu punissait son peuple. On vous prenait de chez vous, on vous amenait dans une nation étrangère. Mais les rois qui prenaient les Juifs dans leur nation n'étaient pas bêtes, ils étaient intelligents. Ils prenaient les meilleurs, les plus intelligents, les plus beaux et ils les plaçaient dans leur cour afin de profiter de leur sagesse et de leur intelligence. Ce qui a fait que Néhémie s'est retrouvé en Babylone sous le roi Artaxerxès, qui veut dire longue main, et il était son échanson. Un échanson, c'est celui qui met le vin dans la coupe du roi. Il était échanson du roi. Donc, il avait une bonne vie. Il était riche, il était prospère, même s'il était en captivité. Lui ne vivait pas la captivité parce qu'il était dans la cour du roi. Il ne manquait de rien. Mais pendant que lui était dans la cour du roi à Babylone, il y avait un problème en Israël. Il y avait un problème à Jérusalem. Avant lui s'est levé un homme qu'on appelle Esdras. Esdras était aussi gouverneur.
il est allé en Jérusalem pour rebâtir le temple. Mais le temple avait un problème de muraille. C'est Néhémie qui est venu achever l'œuvre d'Esdras en construisant la muraille. Dans la destinée, nous sommes complémentaires. Toi, tu peux bâtir le temple, moi je bâtis la muraille. Alléluia. Et Néhémie est venu enfin de construire la muraille qui était crevassée, qui avait des orifices et qui ne permettait pas au temple d'être en sécurité. Ce passage nous révèle que Néhémie n'était pas égoïste, car la Bible nous dit, alors qu'il mangeait à la table du roi, le roi a constaté qu'il était triste, triste malgré qu'il mangeait à la table du roi. Et le roi, qui le connaissait suffisamment, lui dira, « Mais je me rends compte que tu es triste, quel est ton problème ?» Il dira au roi, « C'est vrai, je suis en train de bien manger là, mais pendant que je mange très très bien, voilà que la muraille de Jérusalem est anéantie, elle est détruite, elle est en ruine, et je ne peux pas avoir de l'appétit. Pendant que je suis là, la muraille de Jérusalem est en ruine. Comment est-ce que j'aurai l'appétit? Comment est-ce que j'aurai la joie? Même si je suis dans le confort, même si tout va bien, je ne peux être heureux parce que le temple de mon Dieu est exposé aux voleurs, exposé à la destruction sans une muraille. Il a oublié ses intérêts et s'est concentré sur les intérêts de Dieu, jusqu'à demander la permission au roi de retourner à Jérusalem afin de reconstruire la muraille. Et Dieu lui fit grâce et Néhémie put rentrer à Jérusalem. Il y a une grande similitude entre Néhémie, entre Esther, David et Moïse. Nous voyons aussi qu'Esther était reine, elle était dans la cour du roi. Mais pendant qu'elle était dans la cour du roi, Israël, le peuple d'Israël, était en danger et elle a jeûné. Pendant 3 jours sans boire ni manger, elle qui était une reine, parce qu'elle s'est souciée du plan de Dieu, du peuple de Dieu. Nous voyons aussi Moïse qui était prince en Égypte, mais qui ne pouvait accepter de rester prince en Égypte pendant que son peuple, les Juifs, était sous l'esclavage. Nous voyons cela aussi en David. David a dit, comment est-ce que je peux habiter une maison, lambrisée, alors que l'arche de Dieu se trouve sous des tentes? Nous voyons que les gens qui ont l'Esprit de Dieu, même s'ils sont dans des époques différentes, agissent de la même manière. Si tu as l'Esprit de Dieu et j'ai l'Esprit de Dieu, nous aurons le même souci, nous aurons les mêmes rêves, les mêmes comportements, le même fardeau. Et nous voyons ces 3 personnes, Moïse, Néhémie, Esther, David, qui pouvaient oublier leur richesse, leur confort, afin de s'occuper des intérêts de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Néhémie a pris la décision de rebâtir la muraille de Jérusalem, lorsqu'il a eu ce projet bien-aimé, cela n'était pas facile. Il y est arrivé quand même. Mais dans cette histoire de Néhémie 6, nous avons tellement, tellement de choses à prendre. Et je vous conseillerais même de lire tout le livre de Néhémie, tout le livre de Néhémie, afin de bien comprendre cette histoire. Voici, frères et sœurs, le premier secret pour atteindre, pour vaincre les ennemis de ton projet. Voici le premier secret. Que tu aies un projet matériel, financier, un projet d'études, construire une maison, acheter une parcelle, faire des choses pour ton futur, pour tes enfants. Voici le premier secret. Pour vaincre les ennemis de ton projet, tu dois détecter les opposants à la réalisation de ce projet. Alléluia. Pour que tu puisses atteindre ton projet, vaincre les ennemis de ton projet, il faut que tu puisses détecter ceux qui s'opposent à la réalisation du projet. Si tu ne sais pas les détecter,
tu pourras te confier en des personnes qui travaillent contre le projet. Tu pourras donner ta confiance à des personnes qui n'en sont pas dignes. Et la Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 10, qu'il y avait des ennemis opposés à la construction de la muraille. Ils s'appelaient Sambala, Tobija. C'était des... La Bible dit dans Néhémie 2, verset 10, Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Est-ce que tu as déjà détecté l'ennemi de ton projet? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux le connaître? L'ennemi de ton projet n'est pas toujours une personne. Ça peut être aussi une mauvaise habitude. Alléluia. Ça peut être un esprit impur. Ça peut être un agent du diable. Ça peut être aussi toi-même. Toi-même. Tu peux être paresseux. Paresseux. Là, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Fais un bilan. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser ce que je veux réaliser? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un esprit impur? Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est mon environnement? Tu dois détecter. Et Néhémie avait détecté Sambala et Tobija. Il savait que voici les hommes qui ne veulent pas que je construise cette muraille. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui est même autour de nous, qui était en train de construire. Il avait lancé l'opération construction du temple et il y avait un papa dans l'église qui s'y opposait. Alors pendant que lui parlait de la construction du temple, lui il allait, il disait non, pas de construction, c'est trop de dépenses pour rien, on peut mettre cet argent dans autre chose et tout le reste. Et le papa, le pasteur l'avait détecté. Et vous savez comment est-ce qu'il a vaincu ce papa anti-construction? Chaque fois quand il y avait le culte, il le demandait de se tenir debout. Il se tient debout et dit, acclamons le papa, il aime beaucoup la construction du temple. Tout le monde l'acclamait, tout le monde l'acclamait et il est devenu gentil. Amen. Et Jésus est venu sur la terre avec le projet de sauver l'humanité et il connaissait l'ennemi de cela, Satan. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas réussi au hasard. Il connaissait l'ennemi de son projet, sauver le monde, Satan. Connaissez-vous les ennemis de vos projets? Est-ce que vous les avez détectés? Est-ce que vous les avez discernés? Si vous ne le faites pas, vous échouerez. Vous échouerez, vous échouerez. Et lorsque tu as discerné l'ennemi de ton projet, tu dois prendre des mesures et des décisions. Alléluia. Tu dois prendre des mesures et des décisions. L'ennemi d'Isaac n'était pas la stérilité de Sarah, c'était Lot. Alléluia. L'ennemi d'Isaac, de la naissance d'Isaac, n'était pas la stérilité de Sarah, mais c'était Lot. Car lorsque Lot est parti, Isaac est venu. Alléluia. Il y a des choses et des personnes, il y a des habitudes, des caractères, il y a même des circonstances, des environnements qui feront que ton projet n'arrivera jamais. Ah oui. Bien aimé, pour certains projets, certains milieux de vous, vous devez voyager. Imagine que tu veux construire une soucoupe. Eh bien, il faut aller aux États-Unis. Alléluia. Certains projets que tu as, tu dis ça, pour que je l'atteigne, ce n'est pas au Congo. Je dois être dans tel pays. Et d'autres doivent quitter l'Europe, venir au Congo parce que c'est seulement ici que leurs projets vont se réaliser. Bien-aimés frères et sœurs, prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire, parce que pour réussir dans la vie, ce n'est pas seulement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous êtes bénis. Non, vous devez appliquer la sagesse de Dieu. Amen. Pour ma part, j'étais à Lemba, j'ai fait un bon travail. Mais je sentais que Dieu m'appelait à plus que cela. Je sentais de plus en plus que Dieu m'avait donné un message pour bénir le monde entier. Je le sentais. Et j'ai dû bouger, quitter Lemba et venir ici, recommencer à zéro. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les gens m'appellent de la Chine, de Moscou, des États-Unis, de partout dans le monde et dans chaque culte du dimanche. Nous avons quelqu'un qui vient de l'étranger.
Pourquoi? J'avais un ennemi. Ce n'était pas un démon, c'était un lieu. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Allez le faire appliquer. Après ce culte, va dégager tous les ennemis de tes projets. Va balayer. Sinon, si vous écoutez et vous ne pratiquez pas, alors bien aimé, c'est comme si tu lis un grand livre et après tu n'en fais rien. Deuxième chose, pour vaincre les ennemis d'un projet, il ne faut pas t'encombrer. Dis à ton voisin, il ne faut pas t'encombrer. Si tu veux aller loin, ne t'encombre pas. Ne sois pas comme un David qui prend l'épée de Saül. Ne sois pas comme un David qui prend le bouclier de Saül. Va à la guerre étant très léger, avec une fronde, avec une lance. Ça te permet d'aller vite. Alléluia. Ne t'encombre pas. Qu'est-ce qu'un encombrement? C'est une chose dans ta vie qui n'a pas sa place, mais qui est dans ta vie quand même. Encombrement. Je suis là, je suis en veste. Si je prends un manteau et je mets dessus, n'est-ce pas que je suis encombré? C'est vrai que le manteau est beau, mais qu'est-ce qu'il a à faire là? Il y a des choses dans ta vie qui sont là, qui sont belles, mais qui n'ont pas leur place. Tu t'es encombré. Et certains, votre encombrement, c'est une multitude d'amis qui ne font que vous réclamer votre temps et vous bouffer votre temps. L'une des choses qui me pousse à ne pas avoir beaucoup d'amis, c'est parce que j'ai peu de temps. Alors si vous êtes trop d'amis, celui-ci va me demander 30 minutes, l'autre 1 heure, l'autre 2 heures. Quand est-ce que je vais écrire mes livres? Quand est-ce que je vais faire mes films? Parce que j'ai le but aussi de faire des films chrétiens. Quand est-ce que je vais lancer des trucs que j'ai dans ma tête qui me dérangent là? C'est pourquoi, pour que quelqu'un devienne mon ami, il y a des examens, des interros, pas possible. Pourquoi? J'ai peu de temps. Ah oui, les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Et si tu veux être son ami, tu dois être très occupé. Ainsi, vous êtes plus au téléphone, mais maramomo n'en a hernio sauté. Tu viens me voir, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Et ça va bien? Oui, ça va bien. Ndénine bien. Et puis, non, lève-toi, il faut partir. Ah oui, ah oui. Mais si tu viens là, pasteur, j'ai un projet de développement de l'église. Pasteur, j'ai un projet de ceci. Tu ne trouves pas qu'on peut faire ça? On va causer. Mais si tu viens là seulement me bouffer le temps, là je vais dire, Patty, dites au frère de sortir. Car les bouffeurs de temps sont des ennemis des projets. Alléluia. Tu es là, et c'est terrible même au Congo. Des gens qui vont au boulot, il va te visiter au boulot pour que vous puissiez parler de tout et de rien. Tu vas au boulot, ton ami travaille à Vodacom. Non, je faisais un tour, comment tu vas? Est-ce que c'est ici que tu vas me chercher? Et tu causes avec lui, on te chasse du boulot. Dans certaines entreprises, il est même interdit d'être sur Internet, sur Facebook lorsqu'on travaille, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le PDG a compris que c'est une distraction. Il ne faut pas t'encombrer. La Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 20, « Et je leur fis cette réponse à Sambala, à Tobija. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Il a fait une sélection. Un homme qui ne sait pas sélectionner les gens autour de lui échouera. La Bible nous dit que lorsque le jeune homme riche est venu, enfin d'être dans l'équipe de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a découragé et lui a dit, « Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. » Il n'en avait pas besoin. Il n'a pas dit, « Oh, gloire à Dieu, un partenaire financier. » Non, il a senti que cet homme aime trop la vie et lorsqu'il s'agira de mourir pour Jésus, il sera le premier à être la honte de l'Église. Il a projeté dans le futur. Il a senti qu'il ne supportera pas le feu de la Pentecôte. Vous devez perdre certaines relations pour avancer afin de gagner des nouvelles relations. Car des fois, ne peuvent entrer certaines personnes si certaines ne partent pas.
Ezabongo. Tu as un ami, il vient te voir toujours parler des habits, parler des chaussures, parler de ceci. Quand est-ce que celui qui viendra te parler des livres viendra? Parce qu'il sera dérangé par celui qui parle des habits. D'ailleurs, dans la vie, il y a certaines personnes qu'on ne mélange pas. Tu vas au restaurant avec un ami qui aime trop les choses élevées et puis tu en profites pour inviter un ami qui aime les choses basses. Tu vas perdre ton ami qui aime les choses élevées à cause de celui qui va parler des choses basses. Là, on ne parle pas de ces choses. Tu invites un ami, parler projet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, mais lui, pendant que vous causez, alors il critique celui-ci, il critique celui-là. Ton ami là qui a un esprit élevé dira, si cet homme critique les gens, il me critiquera aussi et tu perds un ami. Ne mélangez pas tout le monde. Des fois, ayez un groupe qui ne rencontre pas un autre. Toi-même, tu les gères. Je ne peux pas t'amener dans un endroit où on parle les millions. Tu auras des vertiges et des problèmes. Je veux t'amener dans un endroit où on prend le charmant et puis gloire à Dieu. Il a dit, vous n'entrerez pas dans ça. Vous n'entrerez pas dans ça. Vous n'avez ni le ni droit dans cette affaire-là. Sélection. Jésus n'a pas pris tout le monde. Plein de gens voulaient être les disciples de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a senti que la foule était trop grande, il a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il boive mon sang, qu'il mange ma chair. C'était une stratégie parce que la chambre haute ne pouvait contenir toute cette foule. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que dans la vie, il y a des connaissances, des camarades, des gens qu'on côtoie. Mais pour entrer dans la sphère de l'amitié, là, il faut payer le prix. Et si quelqu'un ne demeure pas dans les principes d'être ton ami, il doit sortir, il devient une connaissance. Mais tu n'es pas toujours obligé de lui dire. Tu lui fais seulement sentir que je ne crois plus en tes principes, en ces choses que tu fais, et je ne suis plus dans tes choses. Alléluia. Et tu ne l'amènes plus là où tu l'as mené. Et tu ne lui dis plus ce que tu lui disais. L'ami de la vie n'existe pas. C'est l'ami qui respecte à vie les principes qui reste l'ami de la vie. Camarade Aboumoua Nézalaate. Parce que l'ami d'enfance peut devenir l'ennemi de la grandeur. Peut devenir le traître de la grandeur. Il faut que tu continues à obéir aux principes qui ont fait qu'on soit des amis pour rester mon ami. Mais les Congolais sont tellement sentimentaux qu'ils gardent dans leur vie des personnes qui ne doivent plus y être. Je parle de tout mon cœur et c'est ça ma vie. Je ne prêche pas un livre, je prêche ce que je crois et ce que je lis dans la Bible et ce que je fais. Alléluia. Troisième chose. Pour vaincre les ennemis de ton projet, il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Les hommes qui réussissent et atteignent leur projet sont des hommes concentrés. Alléluia. Concentrés. Pourquoi? Ils sont dans un laboratoire. Et quand tu es dans un laboratoire, si tu es distrait, tu risques de créer un incendie. Un incendie, hein? Une incendie, un incendie. Un incendie. C'est pourquoi j'aime l'anglais, il n'y a pas tout ça. Alléluia. La Bible dit, je sortis de nuit. Par la porte de la vallée, et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem. Et je réfléchissais.
réfléchissant à ses portes consumées. Il réfléchissait à ses portes. Il pensait à ses portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Donc dans sa tête, c'était la muraille, la muraille, la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite. Comme s'ils avaient un esprit de contrôle pour toujours chercher à savoir ce qu'un ennemi fait. Bien-aimé, fais attention à cette personne qui aime toujours savoir ce que tu fais. Amen. Hein? Tu es mon journaliste de la vie. Tu veux écrire un roman sur moi ou quoi? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Ça c'est quoi? Tu l'as acheté à combien? Tu l'as acheté où? Pourquoi tout ça? Amen. Hein? Ah oui, bien-aimé. Ces gens qui veulent toujours tout savoir sur toi, comme si tu les as engagés enfin d'écrire un livre sur toi au cas où tu mourrais. D'ailleurs, ton ami là qui tu dis tout, il t'a dit quoi? Il connaît tout sur toi, toi tu connais rien sur lui. Le jour qu'il voudra te détruire, toi tu auras quoi contre lui? Tu vas quelque part, c'est toi qui parles, c'est toi qui réponds aux questions, tu réponds aux questions, tu réponds aux questions, mais tu te rends compte que toi tu n'as pas posé de questions. Alors tu pars, tu as étalé toute ta vie, lui n'a rien dit. C'est qui, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi, tu vas où, tu fais quoi, maintenant c'est quoi, ça c'est quoi, tu as acheté comment, tu as fait quoi, comment quoi. Mais lui, si tu lui poses des questions, il est vague, il est flou, mais sur toi, il veut tout connaître. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite, Geshom l'Arabe, il y a un maintenant qui s'ajoute encore, on a été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimés, chaque fois que Sambala, Tobija, Gershom parlait aux oreilles de Néhémie, Néhémie répondait avec des paroles de foi. Pour dire quoi? Écoutez. Alléluia. Si tu veux atteindre ton projet, garde ton cœur. Même si on te dit des choses qui te découragent, toi tu es têtu, tu n'entends pas. Tu es dans ce que tu as cru jusqu'à ce que tu le verras, jusqu'à ce que tu l'attendras. Alléluia. Il y a des choses que tu le veuilles ou pas, tu les entendras. Ce que tu peux éviter d'entendre, ne l'entends pas. Mais ce qui vient à tes oreilles, malgré que tu l'évites, que ça n'entre pas dans ton cœur et reste dans ta confession de ton projet. Muraille, 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 muraille et muraille. Alléluia. Et s'il parle des forces supérieures qui peuvent arrêter ton projet, parle du Très-Haut qui est avec toi. Car eux ont parlé du roi et lui a parlé du roi des rois, le Dieu du ciel. Si tu veux réussir dans ton projet, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Et si malgré que tu ne les donnes pas à n'importe qui, il y a des gens qui viennent te parler afin de te décourager, il faut leur parler aussi pour que leurs oreilles entendent aussi. Celui qui te décourage par les oreilles a aussi des oreilles pour entendre la parole qui va le paralyser. T'as pas compris, t'as pas compris. Quand tu viens me décourager, tu parles, n'est-ce pas, à mes oreilles. Moi aussi, je peux répondre à tes oreilles. Si tu peux dire, tu vas échouer, je peux dire, je réussirai. Si tu vas dire, toi, jamais, je veux te dire, Dieu est avec moi. Des fois, ne vous taisez pas dans la vie. Répondez aux gens qui veulent vous décourager. Pourquoi? Ils risquent de semer en vous une semence d'incrédulité et de doute. Là, maintenant, tu es fatigué. Pourquoi? Il m'a dit... Dis ce que tu veux. Moi, je crois ce que je crois et je n'ai pas besoin d'élection dans ma vie afin de faire ce que je dois faire. Je le ferai et je le ferai. D'ailleurs, ils s'opposent à la construction d'une muraille. Est-ce qu'ils ont même déjà construit une muraille? Il est en train de te donner des conseils sur quelque chose qu'il n'a jamais fait.
Il n'a jamais essayé, mais il te dit ça ne marchera pas. Vaut mieux celui qui a essayé et puis il dit j'ai eu l'expérience. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui, bien-aimé. Parce que des fois, Dieu t'amène dans des chemins nouveaux pour des miracles nouveaux. Et ce n'est pas tout le monde qui comprendra ce que Dieu fait dans ta vie. Et vous qui êtes stimulés dans une chose, lorsqu'il y a un fan club, sachez que des fois, le succès amène la solitude où tout le monde doute de toi, mais tu as la ferme conviction que c'est Dieu. Va jusqu'au bout. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas empêché d'éclairer les ténèbres. C'était un têtu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si cette personne qui chaque fois te parle, te décourage, dis-lui la vérité. Je n'aime plus que tu me parles. Tu as un esprit de découragement. Oui, je ne me dis plus ça. Tu me décourages. Je veux des gens qui m'encouragent. Si tu ne crois pas en mon rêve, tais-toi. Tais-toi. J'avais un ami un jour, il avait dit qu'il est évangéliste international. Il a dit, Dieu m'a dit, je suis évangéliste international. Et puis son oncle vient et lui dit, oh petit, tu es orgueilleux, hein? Évangéliste international. Écoutez la réponse de mon ami, il a dit, que tu croies pas, ça me fait rien, je suis évangéliste international. Je n'ai même pas besoin de ton avis. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent donner leur avis pour que quelque chose marche, comme s'ils sont des vice-dieux. Moi si je ne crois pas une chose ça ne va pas marcher. Moi si je ne soutiens pas une chose ça ne va pas marcher. Tu es vice-Dieu. Je suis né seul, converti seul, je respire seul, je réfléchis seul. Maintenant il faut que toi tu puisses toujours accepter ce que je fais pour que je réussisse. Oh vraiment tu as pris la place de Dieu quoi. Bien aimé, tous les gens qui font des grandes choses sur la terre sont des hommes déterminés avec des principes. Si tu es un homme normal, tu auras une vie banale. Une vie banane. Encore. Il ne faut pas voir n'importe quoi. Si tu vas atteindre ton projet, pas seulement les oreilles, ce que tu vois. Ne regarde pas n'importe quoi. Alléluia. Mais concentre-toi sur ton objectif. Alléluia. La Bible dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine. Il ne regardait pas les châteaux, il ne regardait pas les maisons construites. Lui n'était pas venu pour ça, il était venu pour les murailles en ruine de Jérusalem. Et je réfléchissais à ces portes consumées, je passais près de la porte de la source de l'étang. Il était que concentré sur la muraille. Et la Bible nous dit aussi, Jésus ne cessait de parler de sa mort. Il fait des miracles, des prodiges. Les disciples veulent faire de lui un roi. Il dit, je dois mourir. Mais toi vraiment, au lieu de profiter de ton succès, non, le fils de l'homme doit mourir. Je dois mourir. Et lorsque Pierre vient lui dire, qu'à cela Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus se réveillait, il voyait la croix. Il mangeait, il voyait la croix. Il dormait, il voit la croix. Il marche, il voit la croix et la croix. Et Néhémie, c'était muraille, muraille, muraille. Et quel est ton projet? Vois ce projet le matin, à midi, le soir. Alléluia. Moi, je parle de l'achat parcelle tous les jours. Tous les jours, tu m'entendras parler achat parcelle de l'église, achat parcelle de l'église. Tous les jours, tu ne peux pas me détourner de ça. Si tu me détournes de ça, tu deviens mon ennemi. La croix, ton projet, ne l'oublie pas. Aie tes yeux fixés dessus. La Bible nous dit que Dieu a dit à Josué, vois Jéricho, je te donne. Ce que tu vois, tu l'as déjà possédé. Alléluia. Vois-toi en train de réaliser ce projet, malgré que tu ne l'as pas réalisé, mais tu te vois en train de le réaliser. Et regarde des hommes comme toi qui sont déjà en train de réaliser un projet qui ressemble au tien.
Et ainsi, tu pourras croire que toi aussi, tu pourras le réaliser, car ce sont des hommes de la même nature que toi. Alléluia. Observe autour de toi des hommes qui ont le même projet que toi, mais qui l'ont déjà réalisé. Ce n'est pas pour être complexé, mais pour croire que toi aussi, tu peux y arriver. Alléluia. C'est pourquoi quand j'entends qu'une église achète une parcelle, je suis heureux. Ça prouve qu'une église peut acheter une parcelle. Quand je vois une église construire 3 étages, j'ai dit, ah, donc une église peut le faire. Pourquoi? Ce sont des Congolais comme les Congolais qui prient dans cette église. Je me souviens une fois, j'étais allé prêcher dans une église et ils m'ont dit, pasteur, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu 180 000 dollars pour acheter la parcelle. J'ai dit, oh, 180 000 dollars. Une église peut avoir 180 000 dollars. Oh Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous, on t'a fait la compassion. Les autres ont 180 000 dollars. Nous, on avait 10 000 dollars en ce temps-là. Mais aujourd'hui, on est plus au-delà de ces chiffres-là. Et bimamouké, alléluia. Mais le fait de savoir qu'une église pouvait totaliser 180 m'a donné la foi de 500 000. Et après, j'aurai la foi de 1 million, de 2 millions, de 1 milliard. Et Kamuisio, 1 milliard. Il y a des gens qui jouent seulement au football, qui tapent seulement dans des raquettes, ils sont milliardaires. Taka, 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 milliardaire. Mais toi, tu pries le Dieu Tout-Puissant. On te parle de milliards, ça te choque. Quand tu es le pasteur des gens qui ont des visions d'Imi et Dongi, tu aurais une église d'Imi et Dongi. Ayez des grandes visions, ayez des grands rêves, des grands projets. Alléluia. Nous, nous sommes des Congolais différents. Nous ne sommes pas dans ces choses. Oh, ceux qui n'ont lié journée l'équipe, gloire à Dieu. Non et non et non et non. Moi, je crois en la provision. Exacté. Journée l'équipe. Et maintenant, s'il y a pillage, au jour le jour, ce sont les oiseaux qui mangent au jour le jour. Mais même les fourmis ont un grenier. Fourmis en congélateur. Hein? 5. Ne parle pas de ton projet avant le temps de Dieu. Si tu veux réussir dans ton projet, vaincre les ennemis de tes projets, n'en parle jamais avant le temps de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 12 et puis 16. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, pas tout le monde, quelques hommes, sans avoir dit à personne, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Il y a un temps pour ruminer les projets seuls. Tu ne dis à personne. Tu travailles les projets à gauche, à droite. Tu le blendes et après tu en parles. Mais lorsque tu parles d'un projet, avant qu'il ne soit fort, tu vas engendrer un mort-né spirituel. Certaines personnes, vous ne réussissez pas dans vos projets parce que le projet est encore immature spirituellement. Il n'est pas encore solide spirituellement. Il n'est pas encore protégé spirituellement. Et vous vous hâtez de l'annoncer et on le détruit parce qu'il est fragile spirituellement. Ce n'est pas parce qu'il est déjà bien écrit qu'il est fort, qu'il est puissant. Un chrétien, quand il a un projet, il prie dessus, il prie dessus, il prie dessus, il prie, il prie, il prie. Et quand il sent que c'est blindé, il annonce. Là, tout ce qu'on fait ne réussira pas, c'est déjà blindé. Alléluia. Il avait le projet de la muraille, mais il a fait un temps sans le dire à personne. Même les personnes élevées ne le savaient pas. J'ai eu à souffrir beaucoup dans ma vie pour me marier. J'avais de telles erreurs. Tu es intéressé par une sœur, tu dis à un ami. L'ami dit à un ami, à un ami, à un ami. Et puis l'autre ami vient te raconter des trucs sur la fille. Ah, tu laisses tomber. Tu aimes celle-là. Et l'ami, il a un ami, un ami. Et puis on veut te trouver. Parce que
Frère, on trouvera toujours des défauts dans quelqu'un que tu aimes. Parce que toi, tu n'es pas un ange et tu ne vas pas trouver un ange sur terre. Tu le rencontres lundi directement, tu poses des questions à tes amis. Bon, ce qui est moi, les laïcs. Au dévancé, à au bouquet et puis à récupérer. Au t'es nabongu sagi. Et j'ai eu ces problèmes. Et même l'église. Ah, on ne veut pas d'elle, on ne veut pas de celle-ci, on ne veut pas de celle-là. Comme si vraiment j'étais l'enfant de l'église, quoi. Ah, vous, vous êtes venu dans cette église au bon moment. Il fut un temps, c'était grave. Hein? Où je venais, je vais l'épouser, même si vous ne voulez pas, ça ne vous regarde pas. Et vous, quand vous choisissez, est-ce que moi je parle? C'était grave. Mais comment j'ai fait pour épouser Blanche? J'ai remarqué, tu choisis celle-là, on la casse. Tu choisis celle-là, on la casse. On la casse. Et directement, quand tu n'es pas intéressé à une sœur, elle n'a pas la sorcellerie. Quand seulement tu t'intéresses, du coup, mon frère, tu vas abandonner ta fiancée parce qu'on dit qu'elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Les gens sont jaloux. Pourquoi ils n'ont pas vu la sorcellerie avant? Oh, Et puis j'ai trouvé notre stratégie. Attaque rapide TGV. Tu lui dis, je vais t'épouser. Oh, un mois après, près dot. Un mois après, dot. Un mois après, civil. En 4 mois, tout est accompli. Voyez, retard. Et il y a des sœurs qui ont quitté l'église avec stratégie. Ah, les sœurs, vous êtes malignes, hein? D'autres sont restés, mais elles sont parties. Elle dit, si je pars maintenant, on saura que j'étais venu pour ça. Donc, elle rentre. Et puis, disparaît. Voyage, tout. Fais attention aussi. Ne te marie jamais par colère, tu vas mal choisir. Ne te marie jamais parce que celui que tu as aimé s'est marié. Tu vas mal te marier. Bénis Dieu seulement, on t'a blessé, que Dieu sèche la plaie. Et que tu trouves quelqu'un que tu aimes. Parce que d'autres ici, lundi, on te dit non, mardi, tu trouves quelqu'un. Comment? Comment tu as eu le temps de tomber amoureuse? C'est une vengeance. Ton projet échoue parce que tu le dis toujours aux gens. Ah, j'ai un projet là, ça va me rapporter 100 000 $ à la fin du mois. Ton ami là, il touche même pas 1 000 $. Et tu es en train de lui raconter de tels projets. Et tu penses qu'il est heureux, quoi. Il est content. À moins qu'il soit rempli du Saint-Esprit, alors le vrai. Hein? C'est ça vos problèmes. Vous vous confiez sans avoir blindé vos projets. Et c'est ainsi que ça échoue. Parce qu'il y a 2 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie qu'on attrape parce qu'on l'a cherchée, mais aussi la sorcellerie du mauvais cœur. Car l'homme, qu'il soit sorcier ou pas, son esprit a une puissance négative ou positive. Quelqu'un ne voulant pas seulement que ce que tu fais n'arrive pas, même s'il n'est pas sorcier, ça peut aussi ne pas arriver. Oui. Que tout le monde, seulement le matin, commence à dire au bongaté, sans qu'il soit sorcier, tu vas voir comment tu auras des problèmes, parce que Satan va utiliser leur méchanceté, leurs paroles contre toi. Un jour, un homme de Dieu tombe malade, et il prie, et il n'est pas guéri. Et puis Dieu lui dit, ce sont des gens qui sont en train de parler du mal de toi, et le diable récupère leurs paroles afin de te rendre malade. Ce ne sont pas des sorciers, mais ce sont des chrétiens qui utilisent mal leurs paroles, et leurs esprits sont utilisés par le diable. Certaines choses, il faut les faire brusquement. Amen. Hein? Brusquement. Et d'autres, on les confie après avoir prié et tu es sûr que Dieu veut que tu le partages. L'un des problèmes de Joseph, c'est qu'il a dit trop tôt ce qu'il devait devenir. S'il était mature, il allait savoir que si mes frères déjà me haïssent à cause d'une tunique, alors la royauté. Quelqu'un te hait pour 100 dollars, maintenant tu pars $1 million. T'es pas sage. On te hait déjà rien que pour la tunique et l'amour de Jacob. Maintenant, quand tu vas parler de l'amour de Dieu. C'est une maladie aussi dans les hommes.
Ils aiment toujours parler, partager. Donc, c'est plus fort que quoi. S'il a quelque chose, il doit seulement dire, il doit se dégager. Écris ça alors, dégage-toi sur un papier. Écris ça comme tu dois te dégager. Écris ça. Non, il faut que je dise, il faut que je dise. Et lui, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, et on peut même te voler ton projet, n'est-ce pas? Surtout aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce qu'il y a la guerre entre les Chinois, les Américains, cette guerre économique, comment est-ce qu'ils se volent des idées, comment est-ce qu'il y a l'espionnage économique. Vous imaginez à quel niveau c'est. Mais si eux sont à ce niveau-là, parmi les hommes, il en est aussi ainsi. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es en train de réussir dans la vie, entoure-toi des gens qui réussissent dans la vie. Et quelqu'un qui échoue dans la vie ne peut être dans ta vie que s'il a un bon cœur. S'il a un mauvais cœur, dégage-le. Ah, Ezabongo, bien-aimé, tu perdras certains amis seulement parce que tu échoues. Oui. Et ainsi, on a toujours ces trucs-là au Congo. Oh non, Bozué, Pessi Bokabwani. Mais oui, c'est normal, Pessi Bokabwani. Parce que, par exemple, je veux me faire plaisir, ben, je vais à l'hôtel du fleuve, je brûle 100 dollars, c'est rien pour moi. Mais toi, loyer. Toza Kamarande. Ils insistent, hein? Donc, quand je serai avec toi, donc, je veux commencer à acheter un sucré et du pain, quoi. Alors que j'ai les moyens de me dépenser 300 dollars avec joie. Si on m'a ça, non, à Kindat. Une fois, j'amène un ami au restaurant. Et puis, je commande tout, 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 tout. Et puis, il dit, moi, je ne mange pas. Oh, pourquoi? Donne-moi seulement l'argent. Pourquoi? Je dois ramener à ma femme et à mes enfants. J'ai pris, je lui ai donné. Plus jamais, je l'ai invité au restaurant. Fini. Il m'a culpabilisé. J'ai cherché d'autres amis. Ou quand toi, tu payes, lui aussi, il paye. Gloire à Dieu, bien dit, non, Marcelo ne paye pas. Je prends tout, je la commande. Je pars. Mais ce n'est pas que je le hais, mais avec lui, on ne va plus traiter. On traitera d'autres choses qui ne vont pas le scandaliser. Tu en étais quelque part à dire, quelle sagesse. Bien-aimés frères, sœurs, le problème c'est que tu penses que tout le monde a ta vitesse, alors que chacun dans la vie court à sa vitesse. Chacun court à sa vitesse. C'est pourquoi dans le groupe de travail, même là où vous étudiez, qu'est-ce que vous faites? Les intelligents sont parmi. Si vous mettez un baudet parmi vous, il va vous faire perdre le temps, parce que le temps qu'ils comprennent, quoi, vous n'avez pas fini la matière. Maintenant, ils ne t'aiment pas. C'est toi qui ne t'aimes pas. Tu dois bosser dur pour rejoindre les niveaux des autres. C'est ça la vie. Même parmi l'équipe de Jésus, c'est tout le monde qui a vu la transfiguration. Et pourquoi est-ce que Abraham a refusé que les serviteurs montent lorsqu'il voulait sacrifier Isaac? Pourquoi? Ils allaient dire vie armindo kianga boma moana bakebenga sara sara boma moana koto. Il a compris qu'ils n'avaient pas le niveau de voir un père qui offre un fils pour Dieu. Il les a laissés avec les ânes. Certaines personnes dans ta vie doivent rester avec les ânes. Toi, tu évolues. Pourquoi? Il ne peut pas supporter que tu puisses prendre toute une parcelle offrir à Dieu. C'est comme à la DNC, ces garçons, ils ont chanté et puis ils gagnent, on prend 1000 dollars, on leur donne. Il y a des gens qui étaient troublés. Ah, bon, Minerval. Pourquoi il y a 4 chansons, 10 chansons, bon, Minerval. Est-ce qu'on a payé ça, ça m'a bien? Sixième chose, il faut rester vigilant et demeurer sur tes gardes si tu veux vaincre les ennemis de tes projets. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever?
Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées de feu? Tobie Jalamonite était à côté de lui et dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Quelle provocation! Quelle insulte! Écoutez maintenant Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Écoutez, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit, 10 jours et nuit, pour nous défendre contre les attaques. Reste vigilant, parce que lorsque tu avances dans ton projet, il y a Sambala et Tobija qui vont chercher à t'attaquer. Et là, tu dois veiller jour et nuit, tu dois avoir ta garde élevée. Bien-aimé, quand tu cherches à atteindre un but, sache qu'il y aura toujours des ennemis de ces buts. Et quand tu tombes dans la distraction, ils vont détruire ton but. La Bible nous dit comment est-ce qu'ils travaillaient. Ils commençaient à travailler avec une dans la main une épée et dans l'autre une fossile pour construire. Ils avaient à la fois un matériel de construction et un matériel de défense. Tu as déjà vu un tel maçon? Il a une épée et il a aussi une pioche, il a une bêche. Ce sont les immatures qui pensent que tout le monde est content lorsqu'ils avancent. Ce sont les immatures qui pensent que tout le monde est content quand ils avancent. Mais les personnes sensées et intelligentes savent que le succès sur la terre n'est pas aimé. Ainsi, elles sont vigilantes. J'étais dans un hôtel quelque part et j'ai rencontré quelqu'un de très haut placé de ce pays. Et on a mangé, non, c'est d'ailleurs lui-même qui mangeait. Et puis il se levait, il est parti, il a laissé sa nourriture et puis il est revenu. Et il a continué à manger, on parlait. Et puis je dis, je peux te donner un conseil? J'ai dit, tu as un problème, tu crois aux gens facilement. Et comment ça? On vient de se rencontrer, tu laisses ta nourriture, tu pars, tu reviens, tu manges encore. Et si on t'avait mis du poison? Est-ce que tu nous connais? Non, j'ai vu, tu es un homme de Dieu, tu pars de Dieu. J'ai dit, ah bon? Tu dois changer, tu vas mourir jeune. Il n'est pas vigilant. Ça veut dire qu'il est élevé, mais il n'est pas conscient de son élévation. Quand Dieu t'élève, sois conscient de ton élévation, pas pour devenir orgueilleux, mais pour te protéger. Pour te protéger, ce sont les enfants qui continuent à se comporter comme des enfants alors qu'ils sont en train d'atteindre leur but. Est-ce que les amis de Messie peuvent encore l'appeler Messie? Yato beta balé na coin. L'icola, $1 million et beta na coin. Jamais, bo beta bino moro. Pourquoi? Il sait que ses pieds sont des pieds en or. Et la Bible dit que David a esquivé. Pourquoi? Il était aux aguets. Il savait que ce homme-ci est jaloux de moi. Il m'invite, mais il veut me tuer. Il était prêt à esquiver. Soyez toujours prêt à. On te donne une eau. Osa convaincre mes langotés. Naza le sam. La bandit jeune kasigo. On commence le jeûne à n'importe quel moment. Je suis un jeune. J'ai commencé les jeûnes dans votre maison. Dans mon maillot bizarre. Dieu t'élève, on t'invite quelque part. On dit, c'est ta nourriture à toi-même. Tu manges tout seul. Et tout le monde te regarde. Et toi aussi, tu manges. Vous ne mangez pas? Je ne mange pas. Et il y a un homme, j'ai dit, je ne mangerai jamais chez toi. Parce que chaque fois que tu viens chez moi, de l'eau, je ne bois pas. Ça, je ne mange pas. Et quand je viens chez toi, mange, je ne mange pas. Tu ne manges pas, je ne mange pas. Ah oui. Quand tu commences à monter, tu dois être clair avec les gens. Si tu mets des émotions, des sentiments, au koukoufagène. Yesu fala koufagène, pas au c'est quoi. Yesu go rosé la ti enlèvement.
C'est ça aussi, hein. Jésus il est mort. Il a fait seulement 3 jours dans le tombeau, il est sorti. Hein. Mets-toi jusqu'à... Dis à ton voisin, sois vigilant. Il y a quelque chose dans la Bible qui m'édifie. La Bible dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme les serpents. C'est-à-dire que dans la dimension de la prudence, imitez les païens. Le serpent, ce n'est pas seulement Satan, les païens. Vois comment les païens sont vigilants. Très vigilants, très vigilants. Mais un chrétien, il peut changer de l'argent. 100 dollars, hop, ah, j'ai pas de petite coupure, assis-toi là, je vais chercher là. Il ne le connaît pas et il s'assied. On va changer l'argent dans un tunnel et il s'en va. 1 heure, tu fais quoi? J'attends l'échange. Tu le connais? Non. Tu lui as donné 100 dollars? Oui. Un païen. Bonico, toi, tu es allé. Soyez prudents comme des païens. Dans la dimension de la prudence, Dieu te dit, sois comme un païen. C'est ça. Parce que les chrétiens sont des naïfs. Sois simple, humble, comme une colombe. Mais dans la dimension de la prudence, imite le serpent. Le serpent, il est toujours comme ça. Pourquoi? Et qui va me tuer? Il est toujours comme ça. Et le serpent peut être un endroit où vous ne le verrez jamais. Oh, ça m'emmenait. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Tout est dans la parole. C'est. Il faut décupler. Il est 9h30. Déjà. Le culte a pris fin, non? Vous êtes égoïste. Il y a des gens dehors sous le soleil là. C'est bon. Ben, si je ne finis pas, la suite au prochain numéro. Voici encore comment vaincre les ennemis de tes projets. Il faut décupler l'énergie et les stratégies quand les choses deviennent difficiles. Oh, dites ça avec moi. Il faut décupler l'énergie et les stratégies quand les choses deviennent difficiles. Hallelujah. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils des vies à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et nous sautons. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Lorsque les choses sont devenues difficiles, ils ont aussi décuplé d'énergie. Alléluia. Les faibles s'affaiblissent dans les temps difficiles, mais les hommes forts se révèlent dans les temps difficiles. C'est là maintenant qu'ils déploient toute leur énergie. Observez le cheval. Le cheval, si tu veux qu'il aille vite, fais quoi? Chicote-le. Plus tu le chicotes, plus il va vite. Qu'est-ce qui lui donne la vitesse? La souffrance, l'opposition. Sois comme un cheval. Plus on est contre toi, plus tu vas vite. Plus on s'oppose, plus tu t'endurcis. Plus on est contre, plus tu y vas. Et il y a certains arbres qui s'enracinent à cause des vents et des tempêtes. Oui, il y a des arbres comme ça. Certains arbres ont seulement besoin de sève, ont seulement besoin que la sève monte des racines vers la tige. Mais il y a des arbres qui ont besoin du vent. Quand le vent secoue, ça s'enracine. Ça secoue, ça s'enracine. Ça a besoin de quelque chose qui veut le renverser pour devenir plus fort. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ était près de sa mort, il a fait quoi? Il a mis le comble de son amour pour ses disciples. Il a ôté ses vêtements et il a commencé à laver leurs pieds. Il a été davantage
langage serviteur. Bien-aimé, s'il y a un moment où tu dois révéler le guerrier qui est en toi, c'est quand ça devient difficile. Lorsque les choses ne marchent plus bien, c'est quand tu dois te lever le matin, tu portes ta veste, ta cravate, tu déploies ton meilleur sourire, tu donnes le meilleur de toi. Pourquoi? Parce que si tu t'affaiblis dans les moments de faiblesse, ta force n'est que faiblesse. Ah oui! Et j'ai rencontré une femme à Matadi. Elle m'a dit cela, elle dit, pasteur, mon mari est bizarre. Lorsque tout va bien dans sa vie, il s'habille normalement. Mais s'il perd son boulot, il porte sa meilleure cravate, sa meilleure chemise, son meilleur pantalon. Pourquoi? Il dit, les temps sont durs, je ne peux pas me permettre de manifester la faiblesse. Alléluia. Et lorsque Néhémie a remarqué que là, on voulait détruire ce qu'il avait construit, il a dit, là maintenant, ayez maintenant des lances, des arcs. C'est la guerre, mais c'est aussi la construction. Alléluia. Frères, sœurs, toute vision passe par l'épreuve, tout projet passe par une mort et par une résurrection. C'est comme le fils de Jairus. Il y a un temps, tu crois que ta fille sera guérie et elle meurt, mais tu dois croire qu'elle peut ressusciter. Et dans tous les projets que tu as, tu connaîtras des temps de mort et de résurrection. Un temps où tu crois que ça va arriver et puis un temps où tu vois comme si ça ne va pas arriver. Mais si tu continues à croire, ce qui est mort ressuscitera. Ressuscitez vos projets et manifestez le meilleur de vous-même. Si tu sais que ce que tu sais vient de Dieu et que Dieu veut que tu le fasses, que rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu et j'ai su clairement que Dieu m'avait appelé et que mon père voulait s'opposer à moi, il a vécu un nouveau Marcelo. Ce n'était plus l'enfant qu'il avait enfanté. C'était un guerrier prêt à tout. Si tu continues, je te chasse de la maison. Pas de problème. Je t'efface de la liste des enfants comme tu veux. Tu seras un raté de la société. Gloire à Dieu. Tu n'as plus peur d'être échégué. Jésus prendra soin de moi. C'est qui? Je sais que j'ai eu l'appel de Dieu. Et un jour, on me convoque les tantes, les oncles pour qu'ils puissent me faire raisonner. J'ai fait une conférence de mon appel. J'ai dit, si vous, vous vous sentez à l'aise derrière des bureaux, en train de signer des papiers, moi je me sens à l'aise derrière la chair, en train de changer et de transformer les vies. Mutuna mutwa salamakambo naye yoza munganga nakota maramona yo yoza magistrat nalana maramona tikanga na ki pasteur nanga babi ke boti kama ano ayo comme ça biso ba pasteur leurs enfants ba kuma pe ba pasteur lui son pasteur fifi épouser pasteur. Jésus, on lui pose la question, es-tu fils de Dieu? Il sait que s'il répond par oui, c'est un sacrilège, parce que personne ne peut dire qu'il est fils de Dieu, parce que fils de Dieu veut dire Dieu. Le Sanhédrin lui pose, es-tu fils de Dieu? T'as dit vieux, hein? A vu aux crises. Tu l'as dit. Ah, il déchire. Mais pendant qu'il déchirait, Jésus n'a pas dit, excuse-moi, je ne suis pas fils de Dieu. Je le suis, même si tu as déchiré les vêtements, je le suis. Ton problème, tu commences, tu laisses, tu commences. Pourquoi? On me combat, on me résiste, ça ne va pas vite. Tout le monde passe par ça. Tout le monde. Va demander à Bill Gates si tu as son numéro de téléphone. Va demander à tout le monde. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Lorsque tu veux le succès quick, il n'y a que du quick, bonbon quick, instantané, café instantané. Mais en matière de succès, il y a toujours de la résistance. Tu dois casser la pierre pour avoir un tunnel. Si tu refuses, tu seras un homme ordinaire. Dans la vie, des fois, quand tout te décourage et que personne ne t'encourage, regarde-toi dans un miroir. Prêche-toi toi-même.
Je dis, tu n'abandonneras pas. Dis amen, amen. Et moi, je fais ça. Même si les gens n'aiment pas ton message, prêche-le. Même si on ne va plus t'inviter à prêcher derrière moi, même si on ne m'invite pas à prêcher, je vous aime tellement, ça me suffit de prêcher ici et de prêcher dans les extensions de la compassion. On ne l'invitera plus. Il dit des choses. Est-ce que je vais prêcher même chez vous? Vous allez remarquer le comportement de Jésus. Il s'occupait des pharisiens et des scribes. Il avait envie de prêcher dans l'église des scribes et des pharisiens. Il s'est concentré sur Pierre parce que par Pierre, il aurait une église de 5000 membres. Je me concentre sur vous. Je n'ai pas besoin de faire l'unanimité congolaise et mondiale, mais former des disciples selon ce que Dieu m'a enseigné en point très. Bien-aimé, tu vas atteindre ton projet, tu dois être têtu. Sinon, tu seras comme tous les hommes qui échouent en train de raconter que des projets qu'ils n'ont jamais vécu. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. WWW